à propos de l'application des puissances de 10 en sciences naturelles. Le génie britannique Sir Isaac Newton a publié la loi de gravitation universelle, selon laquelle deux masses M1 et M2 s'attirent mutuellement par des forces de même intensité. Cette intensité de force de gravitation se calcule par cette formule-là. La force est égale à la constante de gravitation universelle grand G fois le produit des deux masses divisé par le carré de la distance entre les deux centres des masses. Cette constante grand G vaut dans le système international des unités ce nombre-là. 0, et puis il y a 10 zéros suivi des chiffres 6, 6, 7. Ça, c'est beaucoup trop long à écrire. C'est pourquoi les scientifiques ont décidé d'écrire de tels nombres sous forme scientifique. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul chiffre d'unité, il n'y a pas de chiffre de dizaines ni de centaines, etc. Il n'y a qu'un chiffre d'unité, et puis il y a la virgule, et tout le reste s'écrit derrière la virgule, et le nombre ainsi écrit est multiplié par une puissance de 10. Ici, c'est 10 exposant moins 11. Le moins dans l'exposant montre qu'il s'agit d'un nombre très petit. Et le 11, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Ou bien on se dit, il faut 11 zéros pour écrire ce nombre, ou bien on se dit, ce chiffre d'unité 6 se trouve là, à la 11e place, derrière la virgule. Ce nombre grand G se trouve aussi sur la calculette. Sur la calculette, il y a plusieurs constantes qui sont stockées dedans. Regardons par exemple pour cette constante grand G, nous avons ici l'instruction const pour constante. Elle est écrite en jaune, donc j'utilise la touche Shift en jaune. Je clique sur Shift, clic. Nous voyons là un S. Dans la fenêtre à côté, on voit sur quoi j'ai cliqué. Maintenant, je clique sur le 7 pour constante. Voilà. Il y a plusieurs catégories de constantes. Ici, c'est la constante universelle de gravitation. Donc, on choisit la catégorie 1. 1. Et voilà la constante grand G qui est munie du chiffre 7. Donc, je clique sur 7. Clic. Et nous voyons dans le display la lettre grand G. Pour obtenir la valeur de grand G, il suffit maintenant de cliquer sur la touche Enter, la touche égale ici. Je clique, clic, et hop, nous voyons là la constante de gravitation universelle, comme ceci. Cette loi de gravitation universelle s'applique évidemment en mécanique céleste. Regardons Terre et Soleil. Ces deux corps célestes s'attirent mutuellement avec une force dont l'intensité peut être calculée comme ceci. La distance entre la Terre et le Soleil vaut 150 millions de kilomètres, ce qui s'écrit comme ceci exprimé en mètres. Ce nombre-là est beaucoup trop long à écrire, nous allons bien sûr l'écrire sous forme scientifique, c'est-à-dire on met 1,5 fois 10 exposant 11 mètres. Ici, l'exposant est positif. Ça signifie que le nombre est très grand. La masse de la Terre vaut autant de kilogrammes, nombre que nous écrivons bien sûr sous forme scientifique, et voilà, le 10 exposant 24 donne l'ordre de grandeur d'un tel nombre. La masse du Soleil est encore beaucoup, beaucoup plus grande, nombre qu'on écrit évidemment également sous forme scientifique. Au moyen de cette loi de gravitation universelle de Newton, on peut démontrer mathématiquement les trois lois de Kepler, loi qu'on appelle ainsi
en l'honneur du scientifique et astronome allemand Johannes Kepler. La première loi de Kepler dit ceci. Toute planète de notre système solaire parcourt une trajectoire elliptique, ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. La deuxième loi de Kepler dit ceci. Si une planète balaye cette surface noire d'R1 pendant le temps T1, et si la même planète balaye cette surface noire-là d'R2 pendant le temps T2, et si en plus le temps T1 est égal au temps T2, alors les aires de ces deux surfaces doivent être égales. Une conséquence immédiate de cette deuxième loi de Kepler est que si la planète se trouve proche du Soleil, elle va plus vite que si elle se trouve loin du Soleil. Pour la troisième loi de Kepler, nous avons besoin d'une deuxième planète. Prenons par exemple la planète Mars. Ça, c'est la planète Terre. La troisième loi de Kepler dit ceci. Appelons le demi-grand axe de la Terre A indice T et la période de révolution de la Terre autour du Soleil, grand T indice T. Le grand T pour période, l'indice T pour Terre. Appelons aussi le demi-grand axe de l'ellipse du Mars A indice M. Appelons la période du Mars T indice M. Et alors, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le carré de la période de la Terre divisé par le cube du demi-grand axe de la trajectoire de la Terre est égal au carré de la période de la planète Mars divisé par le cube du demi-grand axe de la trajectoire du Mars. Et ce rapport carré de la période de la planète divisé par le cube du demi-grand axe de la planète, ce rapport-là est indépendant de la planète de notre système solaire. Ça, c'est vraiment bizarre parce que les deux périodes de Terre et Mars ne sont pas égales. Les deux demi-grands axes non plus. Mais ces rapports sont égaux. Et ça se démontre effectivement au moyen de la loi de gravitation universelle. Voyons encore d'autres exemples de puissance de 10 en sciences naturelles. Prenons par exemple une goutte d'eau et rendons-la plus petite. Cette goutte d'eau-là est beaucoup plus petite. Cette goutte d'eau-là est déjà tellement petite qu'on ne la voit presque plus. Question. Est-ce qu'il y a moyen de rendre une goutte d'eau infiniment petite? Ou bien est-ce qu'on arrive à un certain moment où il n'y a plus moyen de rendre la goutte d'eau encore plus petite? Effectivement, à un certain moment, on ne sait plus rendre la goutte plus petite. Et le plus petit composant d'une goutte d'eau s'appelle alors molécule d'eau, et le plus petit composant d'une substance quelconque s'appelle molécule de cette substance. Une molécule d'eau a cette forme-là. Et si on la rend encore plus petite, on devrait par exemple arracher une oreille ici, et alors il restait juste ces deux particules H et O, et les deux ensemble, ce n'est plus de l'eau. Pour avoir une molécule d'eau, il faut déjà ces trois particules. Ces trois particules compose la molécule d'eau. Et les composants d'une molécule s'appellent atomes. Donc une molécule d'eau contient deux atomes H, H comme hydrogène, et un atome O, O comme oxygène. En chimie, on écrit une molécule d'eau sous cette forme-là, H indice 2 O. Il y a donc dans une molécule d'eau deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et un atome est constitué de quoi?
Nous avons un modèle d'atomes qu'on appelle modèle de Niels Bohr, en honneur du physicien danois Niels Bohr. Selon son modèle, un atome est constitué d'un noyau qui contient principalement des protons et des neutrons, et autour de ce noyau gravitent des électrons qui sont chargés électriquement négativement. Donc la charge électrique d'un électron est négative, pendant que la charge électrique d'un proton est positive. La charge électrique d'un neutron est nulle, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle un neutron neutron, parce qu'il est électriquement neutre. La masse d'un tel électron est très 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 petite. Ici, on voit bien que ça a un sens d'écrire de tels nombres sous forme scientifique. Voilà la masse d'un proton, la masse d'un neutron, et voici le nombre A0 qui est égal à 5,292 fois 10 exposant moins 11 mètres. Encore une fois, le moins montre que c'est un nombre très très petit, et en fait, ce nombre, c'est ce qu'on appelle le rayon de Bohr, c'est en fait le rayon moyen d'un atome. La charge électrique d'un électron est exactement opposée à la charge électrique d'un proton. Cette charge électrique vaut pour un électron moins 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs, et la charge d'un proton vaut plus 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. On exprime une charge électrique en coulombs en honneur du scientifique français Charles-Augustin de Coulomb. Les atomes différents qui existent sont tous repris dans ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments ou encore le tableau de Mendeleïev. De telles constantes sont également reprises sur la calculette, elles sont stockées dedans, de nouveau sous const, const comme constante. C'est écrit en jaune, donc il faut activer la touche Shift qui est également écrite en jaune. Je clique sur Shift, clic, je clique sur le 7 pour constante, clic, et maintenant on va par exemple dans 3, constantes qui ont à voir avec des atomes et des noyaux. Je choisis donc la catégorie 3. Clic. Ici, par exemple, nous voyons la masse d'un électron. Donc, je choisis le 3. Clic. Voilà M indice E. C'est bien le symbole pour la masse d'un électron. Et il suffit maintenant de cliquer sur égal. Clic. Et hop, on a la valeur de cette constante dans le display. Faisons un peu de chimie et revenons à la molécule d'eau. Dans le tableau périodique des éléments, on peut lire que la masse atomique de l'hydrogène vaut 1,008. En chimie, on prend 1. Et la masse atomique de l'oxygène vaut 15,999. En chimie, on prend alors 16. Donc, la masse atomique de l'hydrogène vaut 1. Et la masse atomique de l'oxygène vaut 16. On va maintenant calculer la masse moléculaire de la molécule d'eau. Et pour cela, on prend 2 fois la masse atomique 1 parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, plus 1 fois la masse atomique de l'oxygène parce qu'il y a 1 atome d'oxygène. En tout, ça fait 18. Voilà la masse moléculaire d'une molécule d'eau. Maintenant, on va faire ceci. Derrière cette masse moléculaire, on colle l'unité gramme. Et ainsi, on définit une mole d'eau égale à 18 grammes d'eau. Si on faisait le même calcul avec de l'acide sulfurique, dont la molécule s'appelle H2SO4, donc on calcule 2 fois la masse atomique de l'hydrogène, plus 1 fois la masse atomique du soufre, plus 4 fois
la masse atomique de l'oxygène, alors on obtient 98. Donc 98 grammes d'acide sulfurique, c'est une mole d'acide sulfurique. Et alors, dans une mole de n'importe quelle substance, que ce soit de l'eau, de l'acide sulfurique ou aussi une autre substance, il y a toujours autant de molécules de cette substance. Ce qui signifie pour notre molécule d'eau, dans 18 grammes d'eau, il y a autant, c'est-à-dire autant, de molécules d'eau. C'est un nombre extrêmement grand. On le désigne par N, indice A, et on l'appelle le nombre d'Avogadro, en honneur du scientifique italien Amedeo Avogadro. Na, c'est donc le nombre d'Avogadro. Cette constante d'Avogadro est également stockée dans la calculette sous constante. Donc, je clique sur Shift pour jaune, clic. Je clique maintenant sur 7 pour constante, clic. Nous sommes ici en chimie, donc on choisit la catégorie 4. Je clique sur 4. Et là, nous voyons que Na est muni du chiffre 3. Donc, on clique sur 3, clic. Dans le display apparaît alors N indice A, et ce nombre d'Avogadro est bien égal, clic, à 6,02 fois 10 exposant 23, comme on avait dit ici. Bien sûr que pour ces puissances de 10 en science, nous avons à notre disposition les propriétés de toutes les puissances à exposant entier. Ça vaut donc la peine de s'entraîner un peu avec ces puissances de 10 pour être en forme en science.